Bonjour et bienvenue à l'Institut français d'Écosse. Le mois dernier, j'avais exhumé des fonds de la bibliothèque des albums de Bécassine. Aujourd'hui, j'ai ressorti quelques livres de Benjamin Rabier. Alors Benjamin Rabier, il est né en 1864 à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et pour les gens comme moi qui sont vendéens, c'est vraiment une figure locale, même si finalement il a très vite rejoint la capitale. Parce qu'en fait, sa vie, il l'amène à Paris. Et il a même deux vies d'ailleurs. Il est comptable aux Halles, donc un employé modèle. Et puis à côté de cela, il est un humoriste convaincu, puisqu'il écrit pour le théâtre. Et très vite, il commence à dessiner pour des magazines. Magazines adultes. Mais la postérité va surtout retenir Benjamin Rabier pour ses illustrations pour la jeunesse, qu'il entreprend dès 1903 en intégrant La Jeunesse Illustrée, qui est la première revue moderne destinée à la jeunesse française. Et surtout, il est très très connu pour ses illustrations animalières. Alors, ses illustrations animalières, pour cela, il s'est inspiré de l'œuvre de Granville, qui, dans la première moitié du XIXe siècle, proposait des caricatures en utilisant les animaux humanisés, et ça lui permettait bien évidemment d'échapper à la censure. Donc, Benjamin Rabier s'inspire de Granville. Et puis aussi, on dit que c'est un petit peu par hasard. C'est-à-dire que, par exemple, il dessine un chien. Le museau est un peu trop long. Alors, il fait un sourire. Et voilà, vous avez un animal humanisé qu'on peut décliner à l'infini. Le chien, le chat. Ça peut être l'écureuil aussi. Beaucoup, beaucoup d'exemples. Et ces histoires animalières sont publiées chez Talendier, qui obtiendra un franc succès avec Benjamin Rabier. Alors l'exemplaire que nous avons ici date de 1931 et il fait partie d'un ensemble de recueils de contes. Et chaque recueil associe un animal à une couleur. Donc vous avez les contes du lapin vert, les contes du pélican rouge, le renard blanc, et ici, ce sont les contes du chien jaune. Donc des histoires, de courtes histoires pour la jeunesse, en général drôles, poétiques, assez moralisatrices aussi. Et toujours pour Talendier, Benjamin Rabier illustre des fables de La Fontaine. Il illustre aussi le roman de Renard, qui vont vraiment servir à une génération d'apprentis lecteurs. Il illustre aussi une histoire naturelle de Buffon. Donc vraiment, tous ces classiques utilisant des animaux vont être illustrés par Benjamin Rabier. Mais son personnage le plus accompli, ça reste Gédéon, le canard jaune au long cou. Malheureusement, nous n'avons pas d'exemplaire de Gédéon à l'Institut français, mais il faut savoir qu'il y a quand même eu 16 albums de Gédéon au total. Un certain nombre d'entre eux sont réédités aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait le style de Benjamin Rabier? On peut dire que l'intérêt de Benjamin Rabier, c'est la versatilité de son style, c'est-à-dire qu'il peut très facilement modifier l'angle de vue,
le cadrage. Il peut travailler sur de petites vignettes aussi. Donc, c'est quelqu'un qui explore les différentes possibilités offertes par son média. Ses dessins utilisent une ligne noire, simple, hein, qui permet de mettre en valeur des aplats de couleurs. Donc, très simple, mais efficace, avec une symbiose parfaite entre le texte et l'image. Et d'ailleurs, Hergé va s'inspirer énormément de Benjamin Rabier pour réaliser Tintin. D'ailleurs, si vous regardez donc dans des archives, vous pourrez trouver des personnages de Benjamin Rabier, en particulier Tintin Lutin et Onésime, qui sont véritablement les ancêtres de Tintin. On retrouve Onésime avec son pantalon de golf et puis sa petite houppette rousse. Donc vraiment un ancêtre de Tintin. Le style de Benjamin Rabier est aussi très adaptable à d'autres médias. C'est d'ailleurs pourquoi Benjamin Rabier s'est intéressé au début du dessin animé. Et puis bien sûr, à la publicité. Alors la publicité, il y a un personnage de Benjamin Rabier que vous connaissez forcément, c'est celui-ci, la vache qui rit. Alors pour l'anecdote, ce personnage de vache a été demandé par l'entreprise Bell au moment de la Première Guerre mondiale. En fait, Paul Bell, donc l'héritier de l'entreprise d'affinage de fromage, n'a pas été mobilisé sur le front, mais on lui a demandé d'organiser le ravitaillement en viande des troupes françaises. Et donc, pour donner peut-être un petit peu plus de gaieté à ces camions de transport de viande, il avait organisé un concours. Et c'est Benjamin Rabier qui a gagné le concours avec ce personnage de vache. Et devant le succès de ce logo, en fait, eh bien, Paul Bell, de retour dans la vie civile, a récupéré le personnage pour son entreprise de fromage. Donc, vous voyez, c'est un personnage vraiment qui est resté de nos jours et qui assure aussi la postérité de Benjamin Rabier. Donc, les livres de Benjamin Rabier que nous possédons sont bien sûr consultables à la bibliothèque de l'Institut français d'Écosse. Merci beaucoup. Au revoir.